Recoucou, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà. Donc, on va tout simplement faire un tour maintenant un petit peu plus loin. Donc, je suis revenu un petit peu dans les quêtes ici pour les terminer très rapidement, comme vous vous souvenez bien. Donc, là, on devait faire un truc d'entraînement, mais on l'a déjà fait. Donc, c'était pas le truc le plus intéressant à faire. Alors, la zone de corruption, on l'a tout simplement fait la dernière fois. Donc, ce que je vais essayer de faire dans cet épisode, ça va être quoi? Ça va être peut-être de chercher rapidement les casseroles pour qu'ils nous donnent un truc intéressant. Je regarde rapidement combien il y en a. Il y en a que 1, 2. Bah 3 et 4, 5, 6. Ouais, on peut s'amuser à les faire si vous avez envie. Mais avant ça, je vais juste faire un tour au niveau des campements. Attends. Donc je suis là. Donc là, il y a un œil à ramasser un peu plus tard. Donc pour l'instant, c'est pas le truc qu'on cherche, hein. Attends. C'est quoi? Je vais quand même faire un tour ici. Ah non, mais ça, c'est une mission en fait, hein. Ah, faut qu'on parle au gardien de chasse. Attends, faire vite fait la quête. Je regarde un petit peu si vous me le permettez. Parler au gardien de chasse. Non, c'est pas ça. Faut qu'on trouve en fait une batterie. Faut qu'on trouve comment utiliser la batterie. Bah écoute, on va afficher ça sur la carte. C'est où ça? Ok. Bon bah on y va, hein. C'est juste à côté. Donc ça, franchement, on va pas se gêner, sincèrement. Alors à l'œil, nous allons ramasser des fleurs. Je me suis fait bien quand même dépouiller si on regarde bien. Oh, dindon, dindon, dindon. Voilà, deux bleus d'entrée de jeu, c'est ça? Voilà. Pas de porte-bonheur. Et là, il va me donner quoi? La peau de sanglier. Exactement. Donc, il y a un truc qu'il faut savoir que j'aimerais bien aussi améliorer après. Ça va être d'acheter en fait un nouveau arc parce qu'à ce qui paraît, j'ai pas le plus puissant. J'ai vu ça un peu plus tard parce que vous savez très bien que je tourne plusieurs épisodes dans la journée pour éviter justement de vous laisser un petit peu pendant quelques jours sans la vidéo. Donc du coup je me suis rendu compte que j'ai pas forcément l'arc le plus puissant. Bah écoute, hein, on va voir comment ça va se passer. Attends, il y a quelque chose là-bas qui a l'air de me plaire. Non, c'était pas trop ça, mais maintenant que j'en suis là. On a combien d'éclats tout ça, vous pensez? Je saurais quoi en faire. Exactement. Donc c'est très important de prendre aussi justement des fleurs. Ainsi que les potions si je veux tout simplement survivre longtemps. Parce que les fleurs régénèrent bien plus que les potions. Bien sûr, il faut la grande potion, ça je suis pas naïf. Mais le temps de la chercher, l'activer, c'est les fleurs le plus rapide remède. Contre les bagarres, etc. Sincèrement, c'est pour ça que mieux vaut prendre ça. Après, je sais pas, c'est quoi les fleurs? C'est ceux-là, en fait. Ouais, c'est ceux-là à chaque fois. C'est les rouges. Voilà, donc on a deux maintenant. Les jaunes, c'est autre chose, hein. Ceux qui ont posé la question, c'est pour faire des potions. Les bleus également. Alors nous sommes où là? Nous sommes ici. Donc là il y a deux petites fleurs qui vont nous aider à augmenter un peu plus. Eh, mais ça, il y en a, elles augmentent, il y en a, elles augmentent pas du tout, hein. C'est un peu effrayant quand même. Alors ça c'est quoi? C'est là. Que dalle. Elle nous a rien donné. J'y crois pas. 14% de santé. C'est rien du tout en fait si tu regardes bien. Tiens, un marchand. Bonjour marchand, comment ça va? Attends, on va parler au marchand. Voilà, ce que vous me étiez en train de me dire, c'est mieux vaut que je prenne un arc un peu plus puissant. Donc là, il me faut juste des éclats pour avoir en fait cette arme assez sympa qu'on a déjà. Mais un arc un peu comme ça, vous m'avez demandé en fait de prendre un arc de précision, un truc comme ça, je crois. Je sais plus exactement où ouais, c'est un arc comme ça. Parce que pour l'instant, on possède juste un arc de chasse. Donc attends, on va voir comment ça se passe. Ici, j'ai quoi en plus? Le truc porte-bonheur, ça se vend uniquement contre des éclats. On va pas faire le con. Cette puce-là, on va la garder parce que ça va nous permettre justement de débloquer certaines conneries. Le sac de voyage, ça, on n'y touche pas du tout. Alors les armes, ouais, voilà, justement. Attends, je vais les vendre ces conneries-là, certaines. Donc celle-là, on l'a déjà, donc je revends également ce modèle-là. Je garde que les légendaires. Ah tiens, ça vient de passer en bleu, en fait, c'était... Attends. J'ai un truc ça. C'était pas par hasard en fait vert à la base? Ou c'est moi qui est un peu fou là en ce moment? Attends, je vérifie piratage machin. Ah, on peut pas l'améliorer davantage. Merde. Donc les tenues c'est pareil. Pour l'instant je les laisse comme c'est parce qu'on a quand même une puissante tenue. Après il y a un autre truc à aller chercher avec des batteries. C'est ce que j'ai vu un petit peu plus tard. Donc là ils les vendent pas trop cher. Donc je vais acheter peut-être des potions également.
Il nous en faut 12, hein, donc on aura tout ce qu'il faut. Les munitions, les flèches, les boîtes, il y en a un gratos. Boîte de modification, on va les garder. Ok. Donc la mission, on y arrive bientôt. Hein. Moi, ce que j'aime bien justement dans des jeux comme ça, c'est tout découvrir, c'est me balader, c'est d'explorer. C'est l'un des seuls jeux, pour l'instant, j'ai l'impression, qui me donne envie vraiment de le faire presque à fond, quoi. C'est rare, hein. La plupart des jeux, c'est très limité, quoi. Tiens, je l'ai bien fait effrayer. La lance, elle devient de plus en plus puissante. Ah, là, ça nous a rapporté 24%. Ouais, cool. Bon, vu qu'on est là, je profite également pour ramasser cette magnifique fleur. 24. D'accord, donc c'est certaines fleurs. Donc ici, il faut qu'on parle, trouver comment utiliser la batterie. Oh putain. Tu peux descendre en bas? Ah ouais, tu peux descendre en fait. Donc attends. Comment elle descend déjà? Pour éviter que je tombe comme une grosse merde. Je me demande ce qu'il y a là-dessous. Trouver comment utiliser la batterie. Descendre. Tiens, on connaît pas cette zone-là, justement. C'est pour ça que ça nous permet de bien découvrir certaines choses. Je suis pas sûr si j'ai tous les batteries, en plus. À l'œil, faut que tu descends. Oh putain, ça a l'air de encore descendre. Ah non, ça va. Comme ça, peut-être qu'on va trouver un truc cool, hein, je sais pas. Hein. Oh, regarde. Fleurs de métal. Les motifs de cette fleur sont étranges. Ah, c'est vrai, les fleurs de métal, c'est ça. Ça, je suis idiot, c'est ça, les fleurs de métal, en fait. Ah, c'est pas si compliqué à avoir, en fait, les fleurs de métal. Faut juste les voir, en fait. Ok. C'est pas une grotte, c'est une ruine. Tiens, tiens, tiens. On a trouvé un secret. Ah, bah, je me suis pris un super vent aussi. Alors, comment on ouvre tout ça? Une lumière rouge. Impossible d'entrer. Une interface holographique. Je crois que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. Ah, il nous manque deux batteries supplémentaires qu'on n'a pas trouvées. C'est peut-être ça. J'en ai trois, en fait, j'ai l'impression. Pour pouvoir activer ça, il nous en manque deux. Donc, il y en a une que j'ai dû oublier quelque part. Donc, on n'est pas encore tout à fait... à fond sur le secret. Donc je le ferai au pire des cas dans le prochain épisode avec vous. Ah, c'est quelque chose qui est manquant. Une armure du temps des anciens. Comment l'atteindre? Ouais, moi je pense que c'est les batteries qu'on est parti chercher un peu dans les grottes qu'il faut tout simplement avoir pour pouvoir activer tous les portes. Ouais, c'est ça, ça paraît logique. Et justement, j'ai vu ça un petit peu sur internet parce que ça arrête pas de tourner en ce moment. Que ça existe en fait, justement, ce genre de truc. En fait, là, on a deux trucs qui nous manquent. Hein. Tu vois? Donc, deux batteries. Et les batteries, normalement, sont censées... Attendez, je regarde un truc. Il y a des niveaux aussi, également. Voilà. Donc, les batteries se trouvent généralement dans des trucs comme ça. Attends, je regarde bien, hein, pour pas te dire de bêtises. Ouais. Donc, là, il y en avait une de batterie qui était là. Alors, l'autre batterie, vérifions un peu. Je crois que ça se trouve dans des grottes ou dans des trucs un peu bizarres. Ouais, donc, on aura le temps de vérifier tout ça encore, hein. Ok, je regarde vite fait ici. C'est quoi ça? Zone de gardien. Ça, c'est les fleurs de métal également. Ah, j'aurais dû lui parler aussi à elle. C'est pas grave. Ouais, donc c'est ça en fait, hein, si tu regardes bien. Donc là, on est où là? On est là. Il y a beaucoup de choses encore à faire, hein, sincèrement. Je vois que ça va être excellent. J'ai combien de batteries? Normalement, je suis censé les voir, on est d'accord. Objet exceptionnel, c'est où ça déjà? Objet rare. Tu vois, j'ai 3 batteries. Armure antique, c'est marqué en plus. Il nous en faut bien plus, je crois qu'il en faut 5. 4 ou 5. Voilà les 3. 1, 2, 3. Et il nous en manque 2. Ah putain. 2 batteries, il faut que je les trouve en fait avec le temps. Comme ça, on va essayer de les dénicher après. Et après, on aura l'armure antique. Ah, attends. Ah, il y avait un truc là, attends. Il n'y a pas de batterie dans ces appareils. Ouais, il faut que je trouve des batteries pour les faire fonctionner. Tiens, tiens, tiens.
Ouais, ça j'ai compris que c'est... Attends. Voilà, ça rentre. Je dois encore en placer une. Ah putain, c'est aussi ça. Et de deux. Oh, trop bien. Il y a un code. Il y a peut-être un indice pas loin. On est. Il y a peut-être des indices dans les environs. Quelque chose pour me montrer comment ça marche. On dirait qu'il y a quatre positions différentes. Peut-être que si je les mets dans la bonne position... Et voilà, je devrais pouvoir entrer. Désolé, j'avais le code. je suis désolé. Il semble bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. Ouais, j'avais le code en fait. Je suis un salaud quand même, hein. Ça je voulais pas dire. Mais les batteries, je savais que je les avais pas tous. Et regarde-moi cette caisse, comment elle est impressionnante, tout ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est les meilleures caisses du jeu. Vous voyez, hein, je me suis laissé le temps de découvrir le jeu et finalement je suis en train de kiffer encore plus que prévu. Alloy. Bon, par contre, maintenant ça va être le truc, comment activer maintenant cette machine qu'on a ouvert la porte. Ça c'est la bonne question du jour. J'ai qu'à placer correctement ces batteries et ça devrait être bon. Ah merde, là par contre je les ai vraiment pas les batteries. Plus que deux. Là je les ai plus les batteries. Donc là je ferai un peu moins mon malin quoi, tu vois. Il m'en restait que deux. Faire vite fait. Ouais, là je les ai vraiment plus les batteries. Ah merde, j'ai plus les batteries. Faudra qu'on aille les chercher, je sais plus où elles sont, mais là du coup faudra qu'on aille les chercher. Il me dit pas où elles sont les batteries dans le jeu. Ça j'aurais bien aimé, tu vois, qu'ils me disent où est la quête des batteries. Attends. Ouais, c'est ça en fait, il me manque, c'est les batteries. Ouais, ça il me le dit pas où elles sont. Ouais, parce qu'en fait ça va activer le verrou. Et du coup on aura la possibilité après de pouvoir... débloquer cette armure. Vous allez dire, mais ça, c'est quoi cette armure? En fait, ça remplace ça. Exactement. Ça remplace ce truc vert là qu'on a. En fait, on aura une double armure. On aura l'armure ici, et plus une armure comme ça, basique en fait. Voilà. Ça sera une double armure légendaire. Allez, ouvre-moi la porte, fais pas le connard. Bon, faudra qu'on aille chercher les batteries. Et bonne question, je sais plus du tout où elles sont. Elles sont dans des grottes. En tout cas, ici on a ouvert tout ce qu'il fallait. Je peux pas les retirer d'ici. De toute façon, si tu retires la porte, elle se ferme. Ouais, donc c'est bien ça, il en faut 5. Hein. Il en faut 5. Merde, à l'œil, il a failli de l'avoir. Je crois qu'en plus, on en a loupé une à un moment donné. Ouais, c'est deux seuls qui nous manquent. Hein. Attends, il y a quelque chose qui brille là. Ces chiffres, ils doivent être liés au segment d'un cercle. Bon, écoute, tant pis. On reviendra un peu plus tard ici. On sait que maintenant que la grotte, elle est là. On l'a trouvée. Donc, à l'œil, bien joué. On part d'ici comme on est venu. Non, c'est pas par là que t'es venu. Hein. En fait, je m'embrouille maintenant. Tu sais, hein, ça y est, le mec était tout content et maintenant, je suis plus content. C'est pas évident de trouver les batteries, hein. Mais sérieux, on est arrivé par où, là? Je commence à m'embrouiller, il fait tellement noir dans le jeu. Ça, c'était la porte qui était condamnée. Parce que celle-là, je peux plus passer. À moins que, sincèrement... Ah non, mais c'est par là que t'es passé, je crois, par le trou. Ouais, c'est vrai. Dommage qu'il va pas m'indiquer les batteries. J'aurais bien apprécié. C'est à nous de les trouver, par contre. Ça, c'est limite, ça fait partie d'un secret. Rappelez-vous comment c'était pas indiqué. Il y en avait une qui était perchée tout en haut. Après, les autres étaient autre part. Non, faudra qu'on les trouve. Donc, je pense que dans le prochain épisode... Je serai à peu près où c'est et on ira les chercher. Ah ouais, là, parce que là, je suis un petit peu déçu quand même. Hein. Je pensais qu'il y en avait que 3 à mettre, mais il n'y en a que 5. Donc, il y en a quand même quelques-unes encore manquantes. C'est sûr, parce qu'on n'a pas encore tout exploré. Mais ça va quand même, on avance bien, non? Vous en pensez quoi? Et je vous propose quand même un let's play assez,
assez intégral quoi quand même. Parce que j'ai pas envie de le faire tout simplement à la va-vite. Même si je publie beaucoup de vidéos et c'est pas pour autant que je bâcle le truc. Au contraire, je prends mon temps pour vraiment visiter des endroits, etc. etc. quoi. D'accord, donc ça se trouve en fait ici. Donc, les marqueurs. Que dalle, il nous a rien donné. Ah si. Enquêté, non, c'est pas là. Ouais, c'est dans ces trucs-là qu'il y a des grottes. Tu vois. C'est ce que j'ai pu voir légèrement. Bon, les batteries, merci. Hein. Finalement, on est dans la merde. Hein. Je pensais que je les avais, mais je les ai pas si bien. Attends, c'est quoi ça? Ça brille comme ça, ça. Ah, parce que c'est ce qu'on vient d'avoir, finalement. Donc, attends, on ouvre les dernières boîtes. Hein, qu'on a pas ouvert. Ah, les pires sont les trucs le plus chiant qu'ils ont inventé. Donc, les objets spéciaux, les cartes, les machins, les flares. D'accord, si tu veux. Là, on a tout simplement nos flèches, nos munitions. Les tenues. Les améliorations, j'en ai zéro. D'accord. Ça tombe bien. Alors, les quêtes. Parcourir les objets, ça, je l'ai pas, tu vois. Faudra qu'on le fasse un peu plus tard, au pire des cas. Armure antique. Niveau 25 en plus, tu vois. Ça, ça donne quoi, ça? On va examiner. C'est où sur la carte, ça? Ok. Vérifions le feu de camp, qui est juste ici. Attends. C'est ça pour voyager plus vite? Sérieux, toi? Ah, parce que ça marche pas de la même manière. Faut faire ça. Et là, on peut voyager. Ouais. Ah oui, bien sûr. Donc, on part par là, si vous me le permettez. Voilà. Donc, déplacement rapide, voyager. Comme ça, on perd pas de temps. Vous voyez, déjà. Après, il faudra, quoi qu'il arrive, c'est qu'on trouve les deux batteries manquantes. Je pense que dans le jeu, on aura l'occasion de les découvrir. Il y en a, elles doivent être bien cachées parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Moi, je suis monté par curiosité au niveau de la tour et après, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a des trucs comme ça, là? Le coach, je le connaissais parce que je l'ai vu, en fait, sur Twitter. Il y a des personnes qui le montraient, en fait. Vu que je suis des youtubeurs, naturellement, ils spoilent le truc, quoi. Donc, du coup, je fais, ah, bah tiens, j'ai essayé de voir ce que c'est. Et je l'ai gardé un petit peu au chaud, noté au cas où j'allais tomber par hasard par là. Mais en fait, je savais pas que c'était là, sincèrement. Après, par contre, j'avais le code depuis quelques jours, mais je savais pas du tout c'était ça. Et les batteries, je me doutais que ça faisait enclencher le mécanisme. Mais par contre, de l'autre côté, je connais pas la combinaison. Je sais pas si c'est la même ou pas, on va voir. Mais c'est vraiment la poisse de pas les trouver, quoi. Allez, vas-y. On se lance à l'assaut. On va essayer d'examiner un petit peu les ruines. Comme ça, ça va nous donner un petit peu d'expérience. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est augmenter un petit peu tout ça. Il y aura aussi des trucs que je vais faire qui vont vous faire peut-être chier. C'est XP rapidement, par exemple, attraper une bestiole avec deux cordes, etc., etc. Ce qu'on essaiera de faire. Par contre, ce qui est bien, justement, dès que j'ai plus de niveaux, on gagne plus de meilleurs trucs. Ça nous permettra d'avoir plein d'éclats. Vas-y, chargez un petit peu. Merci. Je vais sauvegarder, t'inquiète pas, je vais pas me gêner là. J'ai quoi d'intéressant? Tu vois, c'est ça qu'on doit fouiller. Artisan. On a un truc comme ça, on a tout fait, je crois. On a même plus besoin de faire chier. Hein. Tout est amélioré à fond, je crois bien. Hein. Ouais, vraiment, tout est à fond, en fait. Waouh, trop bien. Et tout est vraiment à fond. Ah, si, si, tout est à fond. Alors, c'est quoi qui me manque comme arme, alors, finalement? Attends, c'est quoi qui me manque comme arme? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir... Attends, non, c'est pas ça que je veux. C'est quelle arme, à votre avis, qui me manque? C'est l'arc puissant, c'est ça? Ah, ça doit être celui-là. Ou ça doit être celui-là. Arc de guerre. Ouais, c'est l'arc de guerre, je crois. Attends, fort. Bah, en fait, moi, j'ai celui-là. Ah, il fait 25. Ok, en flèche pénétrante, il fait 25. Ah ouais, attends, non. 30-75. Attends, laisse-moi le temps de trouver. 30-75, non, c'est pas le même. En fait, j'en sais rien, moi, c'est lequel est meilleur, je te le jure. Donc maintenant, ils nous ont mis celui-là. Après, les cœurs comme ça, on sait où les trouver, mais il faut beaucoup d'éclat. Voilà,
Alors, montre-moi un dernier truc. Donc, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, vas-y, on y va. On va fouiller les carrières. On va pas rester trop longtemps non plus à s'éterniser sur des conneries. Là, on a quoi ? On a ça, on a ça. On va être hyper bien avec tout ça. Hein. Ouais, donc il nous manquera juste un arc basique. Ah, il y a quelque chose qui brille là-bas. Ah non, c'est un peu comme on dirait... l'impression que c'était comme des explosifs. Examiner les explosifs. J'ai envie de les shooter. Je suis sûr qu'on va se battre contre un méga truc. Ah, les Blizzrocks font ses monticules quand ils attaquent. Merde. Vive la cinématique en bon moment où je voulais prendre les trucs. Bon bah on prendra après le trésor hein, pour l'instant. Ah bah putain, hey, un truc qui me rend fou. Voilà, bon on est mort, hein. C'est tout à fait normal, il nous a éclaté dans notre gueule. Ok. Bon bah je vais finir par l'avoir, ne t'inquiète surtout pas. Ah putain, pourquoi ça me tombe toujours dessus? Désolé de vous avoir arraché les oreilles, mais c'est vrai, au bout d'un moment dans chaque jeu vidéo j'ai toujours la poisse. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pose-moi le piège! Il est complètement con ce perso des fois. Wouah, t'as vu tout ce qui me nique? Je sais même pas c'est quoi sa faiblesse. Ah, je peux rien faire. Putain la vache. Ah, ça, ah il résiste au feu. Quelque chose qui lui casse la tête. Je crois que c'est un piège électrique. Attends. Ah, c'est hyper dur de trouver les bons trucs. Hein. Je crois qu'il résiste au feu, mais pas à l'électricité. Ah, mais t'as même pas le temps de poser un piège en fait avec lui. Brody, ce serait bien que tu vises avec autre chose, non? Mais c'est n'importe quoi, c'est monstre. Et on est d'accord quand même. Au bout d'un moment, c'est du n'importe quoi, je vous le jure. Oh putain, je me suis vraiment protégé, en plus il se fout de ma gueule. Allez, tu vois pourquoi j'ai voulu ramasser justement les trucs là? Comment on appelle ça là? Les potions? Pas les potions, mais au moins les trucs, attends. Ah, c'est hyper casse-couille de le scanner. Ah, il m'a bien niqué ma vie, hein. Wouah. Oh là là, le truc, y a pas plus relou comme boss, hein. Ah c'est long putain, mais elle veut pas les poser. Alors regardez ma vie comment elle a souffert, regardez ma vie.
Vous avez vu? Et le pire, c'est que je perds les potions. Hein. C'est juste une putain de blague, ce jeu. Je te jure, des fois, il me rend dingue. Et leur boss, c'est du n'importe quoi. Oh, comment il est en train de me courir derrière. Non, mais vas-y, j'ai même pas le temps de me retourner qu'il est en train de nous casser la gueule. Oh non, mais c'est quoi ce truc? Dépêche-toi! Il a pas pire comme boss, hein. Voilà, voilà, je m'en doutais. Ah, j'ai super mal visé. Ah, merde, eh, c'est hyper chiant. Ah, il m'a niqué avec sa queue parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ah, le M et les pièges, c'est une galère à les poser. Non, mais là, il blague. Hein. Voilà, il m'a bien eu, merci. Pas si évident que ça, le petit coco, hein. Là, il arrive encore sur moi. Normalement, je sais qu'à mon avis, je peux faire péter les trucs. Non, ça, ça marche pas. J'ai même pas le temps de le marquer correctement que... il est déjà en train de nous poursuivre. Ça va, il diminue quand même un peu. Ah putain, c'est hyper tendu. Heureusement que j'ai énormément de potions, tu vois. Ah, l'arc que j'ai, il est pas... faiblesse, mais... attends. Je vais peut-être utiliser un autre truc. Bouji, t'as une autre faiblesse. C'est quoi sa faiblesse à lui, je crois, c'est ça. Hein. Que dalle, ouais. Suive la faiblesse, hein. Ah mais t'as pris le feu. Ah merde. Ouais, c'est ça sa faiblesse en fait. C'est le gel. Tu le gèles un peu et tu lui exploses la gueule. Et maintenant tu le finis avec celui-là. J'ai pas l'impression qu'il est, que je lui ai fait quoi que ce soit. Ah, lui par contre, il m'a fait du bien. Tu reprends le truc. On va le congeler un peu. Ouais, d'accord, merci. Là, je l'ai bien touché. Donc là, il commence un peu à, tu vois, à perdre un petit peu de sa vie. Il ne reste plus rien. Eh ben voilà.
Désolé d'avoir hurlé, mais t'es pas évident ce cochon. Ah, il m'a donné que des trucs légendaires. Ça, c'est bien. Ça change un peu. Il y avait des trucs encore à examiner, je crois. C'était là, je crois qu'il y avait des tissus, des conneries comme ça. Ah, il nous a pas fait de cadeau. Heureusement que j'avais... Ah, mais attends, ils ont disparu, les trucs. Mais c'est tout les bordels là qu'on avait tout à l'heure fouillé, c'était ça? Il nous a quand même fait transpirer ce cochon. Hein. Ouais, il nous a bien fait transpirer. Hein. On va retourner voir le mec en question pour qu'il puisse travailler maintenant avec ses hommes. Rappelez-vous, hein, il a perdu beaucoup de ses hommes. On va sauvegarder tranquillement en paix, au cas où il y a un crash de jeu, hein, ça peut arriver. Allez, on va lui parler. J'ai jamais vu une machine pareille. Wow. Ni une chasseuse pareille. Tiens, prends ça. Ça vient des stocks de la carrière. Mais personne ne pourra dire que tu ne l'as pas mérité. Que le soleil t'accompagne, mon ami. En particulier quand tu combats ce qui jaillit du sol. M'a donné quoi? Il m'a donné en fait une récompense. Il m'a donné une petite récompense bien sympa. Donc on a eu... non, c'était pas ça. On a eu une nouvelle boîte. Ah, que des conneries. Bon, c'est pas mal quand même. Ça permet un petit peu d'avoir quelques petits cadeaux, quoi. Alors franchement, vous avez vu? C'est plutôt cool quand même. Donc dans le prochain épisode, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de... J'ai toujours pas XP, ils sont pas sérieux quand même. Ouais, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu toutes ces quêtes là. Il nous reste rien du tout à faire, hein, sincèrement. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Mmh. Ouais, après on essaiera de faire ces zones de sas. On verra. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis quand même heureux parce qu'on a bien... Ah, j'ai que des trucs, attends. Attends. On va améliorer notre arc. C'est celui-là que j'utilise actuellement. Le feu, il fait 25. Et celui-là, il me permet de quoi? Maniement. Donc le feu, il baisse. Mais par contre, je suis plus rapide à recharger. Je sais pas si c'est quoi le mieux, en fait. Ouais, attends. On laisse comme ça pour l'instant. Là, on a d'autres armes un petit peu différentes. Tu vois, on a obtenu un truc électrique. Maniement également. Très rare. Attends, vu que c'est quoi ce truc-là? C'est éclair? Ouais, attends. Et celui-là, c'est quoi? Ah, c'est pareil, donc on a obtenu deux trucs. Je pense que je vais mettre celui-là au niveau du 27 gel machin. 6 de dégâts. Donc là, on a un peu plus. Attends, j'ai rien vite fait. Hein. Donc le gel, il est très puissant, mais par contre, on va gagner quoi? On va gagner en électricité. Écoute, foutons-le à fond, on s'en fout. Voilà, ça nous permettra d'avoir un truc électrique. Avec un peu de gel. Ouais, donc ça promet quand même. Hein. Donc je regarde encore quelques trucs. Donc voilà, on va se laisser là. Et on se retrouve tranquillement pour la suite. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord? Bon, bah je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous.